This dress is so nice. Did I just speak English? Hey guys! Ben, aujourd'hui on va parler en français. On va faire un try and haul en français. Ouais, j'ai déjà fait quelques try and haul en anglais. Donc, j'ai décidé de faire un try and haul en français quand même et puis voir comment ça va se passer. Et n'oubliez pas de commenter, de liker ma vidéo et puis de vous abonner si vous aimez. En fait, ouais. Et puis, on va continuer. Bon, on commence avec le try and haul. Et on y va. La première chose que j'ai acheté, c'était ces collants. C'est comme de trucs armés, quoi. Comment dire, armés, ouais, si. Ou des habits de soldats, ou bien, je sais pas si je dis ça correctement, mais si. Voilà, c'est ce que j'ai acheté en premier. Donc, je vais essayer ça et puis vous allez voir si ça me va bien. Ben, la qualité, c'est déjà trop bien en fait. On va juste voir comment ça me va sur mon corps et puis tout. Voilà, on y va. Purchase your tracks today. Bon, la deuxième, j'ai acheté cette robe là. C'est juste une robe rouge parce que c'est trop petite. Voilà. Et puis je vois beaucoup de gens porter de cinglés comme ça. Et puis, comment on dit cinglés? Bon, je ne sais pas congolais, tu vas cingler. Ben, voilà. Je vis beaucoup de gens porter des trucs comme ça. Et puis, quand j'ai vu ça avec une robe, j'ai dit que ben voilà, je voulais avoir une chose comme ça. Et voilà, la robe est un peu. C'est pas trop long. Je pense que ça va jusqu'au genou. J'ai acheté ça aussi, voilà, cette pantalon. C'est un peu comme si tu peux voir dedans. Bon, je suis devant ma fenêtre et puis quand je regarde comme ça, je vois tout, hein, je vois tout à l'intérieur comme ça, je vois tout. Donc je sais pas si je mets ça, si ça va montrer de trucs, mes fesses ou bien je sais pas, mon corps tout entier, mais je sais pas. La matière quand même, c'est pas ce que je pensais, c'est pas stretch, et puis ça stretch pas, et puis quoi encore, et puis c'est trop trop frappant, quoi. Tu vois, quand tu portes ça, tout le monde va commencer à te regarder comme si tu partais dans un disco ou bien je sais pas, mais quand même on va essayer, on va voir comment ça me va. Et puis purchase your tracks today. Acheter cette jupe, c'est un, comment on appelle leather encore en français, j'ai oublié, c'est quoi leather en français, si vous savez, s'il vous plaît, écrivez là en barre d'infos et me dire comment vous appelez leather en français, parce que là moi je ne sais pas, c'est pas kaki. Thank you.
acheté, c'était cette chemise taureau blanc. C'est juste blanc, c'est simple, mais c'est juste que ici il n'y a pas de bouton et ça va jusqu'ici. Et puis il y a des boutons qui commencent en bas. J'ai vu ça chez Nella Rose et elle avait porté ça avec size 16. Et quand je suis partie pour prendre une pour moi, et en fait il n'y avait pas ma taille. Il n'y avait pas ma taille. Donc, il y avait que de 16, de 18, je pense. Et quand même que j'ai trop aimé. Et puis, j'ai dit que ben voilà, je veux la prendre regardless. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ça se voit un peu trop grand, mais je sais pas. Je vais essayer ça quand même. Si ça me va comme une petite courte robe, je vais porter ça avec, une ceinture là. Mais sinon, si je vois que ça ne va pas, je vais donner ça à quelqu'un. Mais pour le moment, on va essayer et puis voir. Ok, on y va. Purchase your tracks today. Et là les amis, c'est la dernière. Donc voilà, c'est la dernière. Et voilà, il y a ça, il y a un vœu là, c'est trop profond, trop long. Et puis il y a ici que tu peux adjust, make it short. Ça peut devenir courte ou bien longue, ça dépend comment tu veux la porter et tout. Ben voilà, j'ai acheté ça à une occasion très spéciale. Mais bon, j'avais déjà ouvert ça parce que j'étais trop excited de voir la robe. Et puis j'étais un peu, dessus. J'étais un peu déçue parce que la robe est transparente et puis vous pouvez tout voir. Quand je vous dis tout voir, vous pouvez tout voir. Et voilà les amis, c'était la fin de Try and Haul. Je pense que je fais une excellente job parce que c'était trop difficile pour moi. Je pense que c'était parce que je mets trop l'idée dans ma tête que je peux pas parler français maintenant. Et en plus que j'ai la caméra devant moi et puis ça me rend trop nerveuse. Et si vous aimez, en tout cas, je vais faire une autre en français. Ben sinon, si vous aimez pas, je vais plus le faire. Ben quand même, je pense que je vais faire un Lingala ou bien un truc comme ça, peut-être Swahili. Là, ça va être aussi difficile parce que je parle pas trop. Mais quand même, je pense que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et puis, on va voir... qu'est-ce qu'on peut faire, hein, pour qu'on soit des amis, en fait.